Fermez cette faille. Thank you.
Thank you.
Mettez des rails à votre inventaire. Dès que tout est prêt, reliez l'arsenal au lanceur. Jonction terminée. Ensuite, nous devons transporter la bombe jusqu'au lanceur. Ne vous embêtez pas à défendre les rails. Si la bombe est détruite, nous pourrons en faire une autre. Ça devrait être une mission très mobile. Suivez la bombe et protégez-la pendant le trajet. La bombe est en route. Thank you.
ça dans le sang. Alors, qu'est-ce que t'en dis? J'ai réussi le test? D'après la roue des corvées... Bon, du coup, on arrive à la fin de cet épisode aussi. Ok. J'ai pas parlé durant les trucs parce que j'étais en train de faire autre chose en même temps, mais bon, vous avez normalement un peu suivi ce qui se passait. J'ai eu de la chance par rapport à certaines choses. Donc, du coup, c'est la fin. Du coup, Knox, comme j'ai pu voir, ça m'intéresse mais strictement pas. Du coup, directement dans la collection. Ah, parce que la charge du taureau, alors, c'est vraiment un truc pourri pour moi, je trouve. Bon, au moins, il est là, il est monté, il est dedans. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre, en fait? Ah oui, on a eu donc la hache à Argon. Et voilà. Même pas un petit lama à ouvrir à la fin, malheureusement, mais bon, je vais continuer mes petites quêtes ici-là pour vous montrer un peu ce que ça fait. Puis mine de rien, j'étais presque. Donc 1200 pour 1200 kills. Ah non, c'est ouverture de coffre-fort. Et il faudra en ouvrir 3 maintenant, je pense. Ah non, 2 encore. Et des coffres, là, il en faudra... C'est chiant, là. Moi, combien je dois en ouvrir? 6. Ah ouais, ça pique. Et ça, ben, je vais pas vraiment avancer. Donc voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Vraiment, j'espère qu'il vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos ou d'autres lives. Bye.